Bonjour les amis, on est de retour pour un petit cahier de vacances, certainement le dernier. La semaine dernière, vous n'avez pas eu de cahier de vacances, vu que j'ai pas pu filmer, il faisait beaucoup trop chaud. Donc là on continue, il fait un peu frais, donc du coup autant profiter. Donc dans un cahier, j'ai un peu modifié mes scripts. Donc là maintenant on va en faire plus qu'un seul cahier, et j'avais de toute façon prévu d'en faire un neuvième. Donc vous aurez quand même un huitième, donc qui est finalement mon neuvième qui était prévu, j'ai bien fait le prévoir. Et celui-là est déjà enregistré, c'est une méditation qu'on va faire tous ensemble, mais ce sera pour la semaine prochaine. On continue le Qigong du cœur, on va faire les pas équilibrés. Voilà, nous voilà, les pas équilibrés. Donc c'est un mouvement assez facile, c'est un mouvement qui va vraiment travailler sur les massages des méridiens extraordinaires, méridiens conception et gouverneur. On va associer à ça de la respiration. Donc c'est assez facile, forcément on va inspirer, expirer, et des pas latéraux en avant et en arrière. Pour le pas, donc je pense que je suis à peu près au milieu, on est ici. Les pas latéraux c'est facile, on va simplement s'enraciner d'un côté, ouvrir 45 degrés le pied, se poser dessus. Hop, une fois qu'on est là, on va essayer de grandir, très grand, pour bien ouvrir au maximum la poitrine, de nouveau se poser en arrière, relâcher. Et poser. Et on fait ça plusieurs fois avant arrière, donc on va le faire. Regardez, on va s'enraciner, touk touk, lâchez bien ici, tenez bien la tête, toujours bien suspendue, posez. On va venir ici, revenir à chaque fois, et à chaque fois trois fois. D'accord? Revenir ici. Il y a un ajustement de main qui va se faire, on va le faire ici. Donc ici, touf, on inspire, et là on va venir expirer. Inspirer. Expirez, etc. Bon, c'est facile, vous le verrez, c'est un mouvement qui est assez simple. Les mains, vous allez les mettre un sur l'autre, donc au niveau de Tantien. On va le faire deux fois à gauche, une fois à gauche, une fois à droite, puis on revient, mais les mains, cette fois-ci, seront au niveau des lombaires. Donc d'abord ici, je vais venir inspirer, expirer, inspirer, expirer. Inspirez, expirez, et on part de l'autre côté. Oui, ils sont absolument pas compliqués du tout. C'est vraiment de la respiration, des pas qui sont équilibrés. Donc, pas équilibrés, c'est en fait, on va faire devant et on va à chaque fois revenir. Donc, il n'est pas compliqué. On fait pareil, nouveau, bien avant, avec les mains devant, mais cette fois-ci sur l'autre côté. Et après, on revient à nouveau et on va le faire au niveau des lombaires. Donc, lombaires. On met les mains là. On va essayer de monter le plus haut possible. Donc là, vous voyez, je ne touche même plus. Et après, on va masser complètement les muscles paravertébraux, qu'on va descendre jusqu'au niveau des fesses quand on va monter. Je vous montre ici. Comme ça, vous voyez du dos ce que ça donne. Je viens inspirer. Expirer. Inspirer. Expirer. Inspirer. Expirer. Et après, on revient. D'accord? Ça vous va? On essaye. On le fait d'abord une fois de chaque côté correctement, puis après, on le refait comme notre habitude. Et je ne le parlerai pas. D'accord? Donc, les mains sont ici. Quand je vais venir inspirer, je vais m'ancrer. Tu prépares pour aller par là. Donc, massage méridien. Expire. Assez bas. Lâchez bien les mains. Inspire. Expire. Expire. J'inspire, je reviens. J'expire, je parle. Descends. Je parle aussi. Inspire. Expire. Donc on est très grand. Hein. Vous avez vu, la jambe là est complètement tendue. Les deux jambes sont tendues. Et là, on est bien posé. Oups. On est bien posé sur le gros orteil. Inspire. Pied vide. Expire. Ici. Inspire, je reviens. J'expire, je pose. On met les bras en arrière, je vais même tourner, comme ça vous voyez ce que je fais, vous avez vu, hein. Ici. J'inspire, pardon. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire.
Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire, je relâche. Hop là. Ça vous va? Allez, on va le faire tranquillement. Où est ma marque? Et on va le faire sans que je parle. Relâchez bien votre corps. Détendez. Suspendez la tête, accrochez bien les pieds. Et c'est parti. Inspire. Expire ici. Grandissez bien. Hein. Inspire. L'autre côté. Voilà. Donc ça, c'était le dernier mouvement de Qigong du cœur. J'ai filmé la totalité de la forme dans les Alpes, donc vous allez pouvoir la voir, je pense, dans quelques semaines. J'ai d'autres idées de vidéos que je vais diffuser avant. En tout cas, vous l'aurez en entier. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, vous pouvez très bien refaire tous les 7 cahiers de vacances qui se suivent. Pour pouvoir tout refaire. Je vous remercie déjà parce que du coup, quelque part, c'est le dernier où je vais vraiment beaucoup parler. Dans le prochain Chiopi, je serai en méditation, donc ça serait beaucoup plus tranquille. Merci de votre présence durant tout l'été. Comme je n'ai pas diffusé cette semaine de vidéos, vous avez été un certain nombre de demander qu'est-ce qui se passe, donc c'est cool. Enfin, c'est cool, c'est pas cool, j'en ai pas diffusé, mais qu'au moins vous en inquiétiez, donc ça veut dire que vous les regardez. Donc c'est vraiment super. Merci beaucoup pour cet été, pour toutes vos participations, pour tous vos messages. À très bientôt.